dit que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Sam n'est pas mort, mais il n'est pas passé loin. Il n'avait plus rien à perdre. Alors il a accepté la pire mission de sa carrière. Voilà comment il s'est retrouvé au pénitencier d'Ellsworth. À Ellsworth, il a été traité comme n'importe qui d'autre. Ni plus ni moins. C'était loin d'être une cure de repos. Il avait vraiment l'air d'un zombie. Depuis que Sarah, sa fille, était morte. C'est dur de voir un homme perdre ainsi pied. C'est tout ce que t'as. Allez! J'espérais que cette mission lui ferait remonter la pente. C'était vital. La prison. Drôle d'endroit pour sauver la vie d'un homme, non? Écoute-moi bien, mec, car je sais comment nous sortir de là. Enfin, si tu veux vraiment sortir, car je doute que le tunnel que tu creuses depuis 6 mois t'aidera beaucoup. Je vous écoute. Premier, voilà le topo. Je vais faire un peu de boucan de ce côté-là. Toi, pendant ce temps, tu vas faire la même chose dans le bloc A. Où ça? Tu sais bien, le bloc principal. Ouvre les cellules pour provoquer une mutinerie. Les Furtz et McCullers feront la même chose dans les blocs C et D. Ce qui veut dire que si t'essayes de m'entuber, t'auras un paquet de mecs à tes trousses. Compris. J'espère bien. Maintenant, prends ça et mets-toi au boulot. Fais en sorte qu'on t'entende. Bonjour à tous, c'est Givro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de Let's Play Splinter Cell Double Agent. Donc, cette fois-ci, on se retrouve dans la prison de Eastwood, en USA, où Sam Fisher est enfermé pour essayer de faire sortir un des prisonniers qui s'est arrangé. Donc, alors, on se retrouve dans la cellule. Donc il m'a dit de faire un maximum de bruit. Alors, je vais voir là. F. Se cacher sous la table, non. Il m'a dit de regarder le trou que j'avais construit. Ah, ça va être ça. Arracher le poster. Qu'est-ce que tu veux, Jimmy? Alors. Je t'ai vu planter une carte. Tu n'es même pas dans la partie. Dégage. Tu triches contre moi. Canalisation. C'est en flûte riche. Jimmy, je te prête. Les morts. Non. Voilà. Hop. Allez, là. Descends. Donc j'ai bien lu vos commentaires et j'espère avoir réussi à régler le problème de son. Donc je l'ai mis moins fort pour qu'on puisse mieux m'entendre. Après, c'est vrai que ben, je me prends beaucoup au jeu et donc j'ai tendance à chuchoter pour pas me faire entendre parce que je suis aussi en infiltration. Alors, est-ce que c'est par là? Sauvegarde. On fouille. Il y a rien à savoir là. Si descendre. Alors, il y a un garde qui a pas vu. Hop, descend discrètement. Alors, je crois que je l'ai assommé. Ouais. Hop.
Enter. Accès sécurisé. Ah oui, encore ce fameux mini-jeu 530 60 un peu 22. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Il se fout du code. Okay, j'ai compris, vous ne pouvez pas retenir plus d'un code. 1403. Ok, donc faut retenir ça. 1403. Alors, talkie-walkie, 3 jours seulement, il manque déjà de l'équipement. Grave, nos systèmes de verrouillage. Tout le monde se pose des questions. Hein. Mais c'est pas le cas. Ok. Donc je pense qu'il va falloir le désactiver. Alors, casser la serrure, non. Voilà. Crocheter la serrure. Et lui, il va partir. Hop. Discrètement. Hop. Non. Discret. J'ai pas d'arme. Donc là, si j'ai bien compris, mon objectif c'est d'aller atteindre le poste de contrôle pour ouvrir les cellules. Alors, c'est où? C'est là. Zut. Désactiver le détecteur de métaux. Bon ben voilà. Après marquer code porte 1403 en bas. Hop, j'ai bien assommé. Oui, j'ai compris qu'il fallait plutôt assommer les gardes plutôt que de les tuer. Comme ça a évité de perdre de. Parce qu'en bas à gauche on a une barre, bon là je vais pas activer, je sais pas si je peux la voir, qui permet de montrer la confiance qu'on a avec les différents parties, donc la NSA et JBA. Et pour réussir la mission il faut avoir au moins un minimum de confiance avec la NSA. Alors, est-ce que tu peux te baisser? J'étais assez rapide là. Tac. Alors, 1, 2, 3 gardes qui m'ont potentiellement vu. Hop. J'ai encore dessus. Position. Il y en a un là, faudrait qu'il vienne celui-là. Là, il veut pas venir. Je pense que la porte elle est là-bas. Alors soit les escaliers. Alors là, il faudra tenter un truc. Tac, tac, tac. Ouf. Est-ce qu'ils viennent? Non. Hop, ouf, ça va encore. Bon, mais je pense que j'ai réussi. Tac. Ouais, quelqu'un qui est au milieu de la tour de contrôle.
À peine les plaques centrales sont ouvertes. D'accord. Fouille. Hop. Il y a un garde qui est là. Pas que tu descendes. Oh, tu descends. Superbe. Tac tac tac. Oups, qu'est-ce que je vais faire? Danger, on va passer par là. Crocheter la serrure. Tac. En bas et en haut. Oui, ouvrir discrètement. Oula, il y a eu un petit petit lag. Alors bon, voilà. Petit freeze plutôt. Petit ordinateur. Ré et Grec se sont battus. C'est pitonné cette bagarre, ça m'a fallait voir les encouragements, les sifflets se sont bien marrés. Bon, je pense que c'est pas important. Comment on sort comme ça? Et mais j'aurais vous quoi? Je suis seul à flipper sur le. Bill a trouvé une arme de poing. Ok. Superbe. Pas mal ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, se cacher sous la table, non. J'ai vu autre chose. Prendre objet. On garde au cas où. Peut-être servir. Alors, on a un garde là qui tire. Des ordinateurs, oui. Alors, tac tac tac, c'est sécurisé. 223, 80. Bon, 00, je t'ai trouvé. 36. Hop. Ouvrir toutes les cellules, oui. Ah, ben voilà, donc là, on a déjà fait. Une partie de la mission, après je sais plus qu'est-ce qu'il nous a dit de faire. Après ça, enregistrement. Oh, je crois que c'est bon. Accès normal, vidéo caméra. Ok. Alors on va essayer de se débarrasser. Que tirer depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Tu ne nous mettras plus. Faut aller où il y a des canalisations. Il y a des canalisations. Là, il y a une escalier. Hop. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et en plus, j'aimerais bien savoir comment je l'ai atteint. Je sens que j'ai une vitre ici. Bon, c'est pas grave. Hop. Comment on sort? Ah oui, on va monter. Tac, 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 un ascenseur,
prend l'ascenseur. Après le mot de passe, c'était quoi? 14. Zut, je trompais de touche. 14. 0. 3. Tac. Ensuite, monter, descendre. Pif, descendre. Marche pas, monte. Laisse-toi au cas où. Tout, 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 tout. La voie est libre. Tout ce qui nous sépare de la liberté, mec, c'est ce mur. Alors, il y en a un là. Hop. Pas le temps de rigoler. Et c'est tout. Y'a plus rien. Ah. C'était quoi ça? Allez. Alors, il y a quoi d'important là? On va voir là-bas. Il n'y a rien. Hop. Il y a ça ici que j'avais vu. Oh, un garde. Il y avait un garde. Tac. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Non. Là, on peut rien faire. On peut rien faire. Une échelle. Ça par là. Ah, mais on se retrouve. D'accord. Bon, ouais, c'est par là. Alors, hop. Faut sauver Jimmy. Voilà, Jimmy Washington. Cherchez son nom du début. Tac. Alors, oula, on a failli se rater. On a failli se rater. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Allez, cours, 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 cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, il a sauvé. Alors, faut aller où? Ah, il a une idée. On fouille, on fouille, on fouille. Un toki, on peut pas s'en servir. Ah, une échelle. Hop, on monte. Doucement. Tac. Ah, les go. Voilà. C'est fini. Objectif rempli, s'il y a des sans alerte. Alors, voyons voir. C'est qu'on a réussi, donc c'était très très court. Aider Jimmy à s'évader, ok. Détourner l'hélicoptère des journalistes, ok. Objectif prioritaire, échec. Alors ça, j'aurais bien savoir porter secours à Jimmy. Et j'ai fait. Retour. Ne pas tuer de garde, ça c'est bon. Atteindre le bloc central, ok. Bon, par contre... porter secours à Jimmy, bah, je pensais l'avoir réussi.
Enfin bref, voilà, donc la vidéo était un peu courte vu que j'ai réussi tranquillement à faire la mission. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à liker si vous avez aimé. Et on se retrouve très rapidement pour le troisième épisode. Allez, bye bye.